Bon, il va falloir que je leur dise quand même. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, aujourd'hui, il n'y a pas de jeu. Non, il n'y a pas de jeu. Puisque c'est le titre du jeu dans lequel on va aller aujourd'hui. There is no game. Alors, quel est le concept de There is no game? Bah, c'est un petit peu un jeu à la Stanley Paradox. C'est-à-dire qu'on va vous balader dans un truc où on va vous mener par le bout du nez, à droite, à gauche, et à des endroits et des situations inattendues. Juste parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on veut vous emmener. Enfin, c'est ce qu'on vous fait croire au début. Et tout le jeu va se dévoiler devant vous. Alors, on va regarder ensemble si ce truc est au moins autant fun que le fameux Stanley Paradox qui, quand même, lui, est dans le panier du haut. Si vous pouvez lire ceci, alors quittez le programme. Bien. Ça, je peux le lire? Non? Ok. Moi, je serais pour arracher la prise électrique du PC. Je crois que je vais m'entendre avec ce titre. Enfin, je ne vais pas me mésentendre. Voilà. On y va. Alors, le principe du jeu, il est tout bête, hein. C'est des trucs à cliquer dans tous les sens pour essayer d'avancer dedans. Un peu comme on faisait justement dans le fameux Stanley, en arpentant ces couloirs sans fin qui bouclaient jusqu'à la fin de l'éternité. Ce qui est assez paradoxal, mais ce jeu, c'est quoi à part un paradoxe? Hein? Dites-moi. Snip? Snap? Snoop? Ah, désolé, il y a quelqu'un. Bah, toi aussi, t'es difficile. Bah ouais. 42. There is no game. Hello, user. C'est moi. This is a program speaking. Hello. I've got some bad news. Ah. Actually, there is no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah. Le Covid, tout ça. I hope you're not too disappointed. Bah un peu quand même. You can still watch TV. Go outside, read a book. Ah. Yeah, there's no game, but just between you and me, avoid asking for a refund if you can. C'est vrai que si je joue moins d'une heure. Non, un dev, ça mange pas, c'est connu. Ok. Non, je crois pas. Ça a l'air fragile si tu joues avec ça. Allez, ciao. I've got to put all that back up. Come on! Ah, the chain is stuck. Go ahead. Have fun. I give up. Bah ouais, mais fallait pas mettre un titre aussi tentant. The Brick Breaker. Game of the year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Ah, un petit snake, je suis pas contre. The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just an ordinary screensaver. That's it. Come on, let's all leave, okay? I'm leaving now. Mais tu as bien raison de t'en aller puisque j'avais fini de détruire ton titre. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid.
Ok. I might have got a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? C'est là, ouais. Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Mais il n'y a pas de bouton fermé. Okay, I get it. You want to play a game? Yeah. All right. We're going to play. Rochambeau. Oula. We're going to have a great time. Non. You, it's the one with rock, paper, scissors. C'est Spock. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, et Spock les nique tous. Now it's your turn to choose a card. Bah, je vais prendre le pire. Cheater. C'est fou ça. Mine de rien, le programme est en train de dire une vérité, hein. C'est que les softs sont là pour tricher par rapport à vous. Puisque rien ne vous dit qu'ils connaissent pas vos coups pour répondre en conséquence. Oh, that's too bad. You lost again. Bah c'est bête. It's unbelievable. At my scissors. Are you serious? The safety airbag. Luckily, I thought of everything to protect the game. The long game. No more game here. Finished. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all wicked. Oh, y'a un truc là. I'll leave already instead of playing with that metal letter. J'ai cliqué hors d'écran, désolé. Il y a un truc qui apparaît là-haut. Le volume. Oh. Where did that come from? That's not supposed. Oh, are you crazy? Désolé, désolé. Tu disais? Ah mais il se remet en route, l'enfoiré. Alors le jeu vous amène à improviser des comportements par rapport à ce qu'il fait. Et il va vous falloir un certain... Arrête de parler. Il va vous falloir un certain talent dans l'improvisation pour arriver à essayer d'avancer dans ce truc. Non, 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 ah, non, non, non. Merde. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You pas just du tout. Put the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. Non. Ah, oh, j'avais la clé. Where did you find that key? Chut. Doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Comment ça, c'est pas la bonne clé? I told you it doesn't fit. Ah, non, non. Pourquoi il veut que j'aille là? Draw me a get out of here. Pixel. It's private. This is backstage. You should not be here. You're going to catch cold. Go back to the title. Non. Correction, my ex title. Boy, you're so stubborn. You can leave now. Alors, tous les objets qui tombent en bas sont à moi apparemment. Nothing works anymore. Sorry. Donc j'ai un drapeau, ce truc, mon curseur.
et plus grand chose à faire ici. Et ma clé? Il m'a fauché ma clé? Ah, fucking dude. Stop pushing the key. What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Si, moi je commence à avoir un bout d'idée. Si, si, si. Regarde, gros. Stop pushing the key. It falls to the ground. Where's the key? No, don't do that, user. Don't open the door. On va jouer. Non. Alors, le mécanisme est cassé. On peut jouer avec l'icône. Ce serait bien. Bibu. Squeak, squeak. Il manque deux engrenages. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas de jeu. Ouais, mais j'avais envie de tripoter ce truc. Comment il sait ça? Bon, ça veut dire qu'il y a plusieurs écrans à gérer, mine de rien. Il faut que je trouve le petit engrenage qui va là. Qui pourrait être, qui pourrait être, qui pourrait être. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Especially when it goes too fast. I repeat, especially when it goes too fast. Où va être ce damné truc? Le premier qui voit un petit engrenage là-dessus crie très fort, très très fort. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. Ah bah oui. The progress bar stopped moving. It even looks like it's moving backwards now. There must be a new error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. I feel bad for you. There's nothing left for you to do but quit. Quit. Je réfléchis. C'est bon, j'ai fini de réfléchir. Merci. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, don't touch stop already. Hands up, don't touch anything else. Except you just never give up, do you? Ouais. The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Je redémarre et je suis à vous les amis. Alors du coup c'est un jeu qui est quand même assez rigolo. Et idéalement il serait bien en mode nomade. Oui, moi je vois l'utilisation de ce titre particulièrement pendant qu'on est en train de voyager, qu'on s'emmerde. Alors sur un mobile il serait juste parfait je trouve. Sur un PC, bon bah tant qu'à avoir une grosse babasse et puis être installé, autant jouer à un gros jeu. Mais ça reste pas désagréable, mine de rien. Le programme s'est arrêté, on fait quoi du coup? Je redémarre vraiment? Oh, Flying Swagger. Ouais. Ok, on va faire ça. Aucun doute. Je vais regarder tes images si t'as pas des castors en gros plan. Mais du coup, on peut interagir avec les images. Plop, plop. Skype. Ok, c'est un Skype. Zinwip. Et interdit.
Et pour ouvrir l'interdit, il y a un verrou. Et pour ouvrir un verrou, il faut quoi? Non, pas possible. Oui, mais j'ai pas envie de poulet. Donc c'est pas la peine. Donne-moi ça. Donne-moi ça, espèce de sale rongeur débile. Je veux une cahuète ou une coconut, je sais pas exactement ce qu'il veut dans les musiques. Ah bah ça tombe bien ça. Je veux ça. Oui, j'ai un début d'idée. Pour récupérer le casse-noisette, il faut donc que je récupère autre chose avant. Shake my head. Amour d'ascenseur. Bon, on se remet un petit coup de shake my head quand même. Bon, ce que je veux, moi, c'est là. Oui, parce qu'on a tous remarqué que... Hop, un coup de casse-noisette là-dessus. Je sais pas ce que ça me fera, mais ça me fera du bien, c'est sûr. Zinwip, il veut rien, privé. Peut même pas déplacer les fenêtres. Ouh. Il y a toujours des trucs dans la poubelle. Mais tu fais super bien le chat. Une horloge. Un code pour accéder à l'horloge, si ça c'est pas costaud les gars. King Fragging Clay. Lâche la clé. Lâche la clé. Lâche la clé clé clé. La 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 lâche. Ah, combien de temps je vais passer là-dessus, ça va être terrible. On y va. Choisis judicieusement, mon jeune ami. 1, 2. Alors, je sais pas ce que ça représente les cadenas, c'est peut-être un degré d'importance. Sérieux? Je suis dégoût, je suis rage, je suis bisque bisque. Oh, tuez-moi, les amis, tuez-moi. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Oh oui. Yes. Mais il me fout une balle. C'est bien, il n'y a que des jeux où on peut pas perdre les mini-jeux qui sont inclus dans le jeu. Qui n'est pas un jeu, je le rappelle. Parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que je peux y passer la journée? Je me demande. Alors avec l'espace, normalement, on peut bourrer le flip, non? Il n'y a même pas de score, si. Ah. Ouh. C'est plus un flip? Je peux même pas... Mon score ne fait que descendre, des amis. Ce jeu, non-jeu, est un cheaterné, quoi. Regardez-le. 250. 200. Et à chaque fois que je peux taper sur la balle, il m'empêche de cliquer. Négatif.
À moi le aïe, à moi le aïe. Aïe 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 aïe. Oh. Oui, je suis le Pinball Master. Non, pas plus que toi, bonhomme. Et je vais prendre cette. Ah, tout s'éclaire puisque cet écureuil avec une clé qui me permettrait d'accéder à un dossier verrouillé va recevoir une coupe dans la tronche dans pas très longtemps. It means you can close this bitch. Mot de passe. Intrus de ma carte d'identité. Mon numéro favori, ça j'en sais rien. Le numéro privé de Miss Tokyo. Ah, ça je le connais. Et d'ailleurs, elle a une sœur jumelle, mais je vais pas m'étaler là-dessus. C'était une soirée inoubliable. Ça fait du bien. Non, mais tu vas te taire. Toi, de toute manière, je ne t'écoute plus. Je vais couvrir ta voix en permanence, en parlant non-stop de toute manière, puisque c'est comme ça. On va aller dans le répertoire privé. Personne ne t'écoute, personne ne t'entend. Laisse-moi mettre de la musique pour couvrir tout ce bordel. Headbanging. C'était sûrement un ballon météo. Ah, enfin on y arrive les amis. Je suis bon un coup. Cette PCB avec un soutif. Oh ouais. Oh ouais. Faudrait que je remette la musique et que ça secoue. On va faire ça. Ah mais faut tout que je ferme? Non, ça va pas être drôle alors. Oh Miss Paris. Oh là là, ouais. Oui, je m'attendais pas à ce qu'on fasse du hardware porn. Mais tout peut arriver. Oh Miss Tokyo. Alors j'ai un chiffre quand même là, 392. Mais pff, si je dois enregistrer tous les trucs, ça va être chaud chaud. Et pourquoi j'ai le droit de pivoter ça? Et pourquoi je peux pas y arroser pour que ça rouille? Tu te répètes, buddy. Ah. Allô? Oui? Non, je pense pas. Jamais entendu. Ah, désolé. Ah, il n'y avait pas de poil, hein. Ah, numéro 61, 392. Deux, 392, 61. Vous êtes prêts? Faut trouver autre chose pour bouger l'heure. Seriously, dude? Tadam! And now, on retourne dans les images. Et on va réussir à faire pousser ce purée de noisetier. Oui, un purée de noisetier. Shazam. Tadam!
Non mais Jean-Pierre, tu fais pas ça. Jean-Pierre, je suis pas ta mère. Les connaisseurs reconnaîtront. Oui, le grand soir. Putain. Oh, il m'a saoulé sur cette action, le gars. Ah, il est où mon casse-noisette? Crac. Et là, écureuil content. Lâche cette clé. Si. Yes. I forbid you to open that folder. You've crossed the line. Don't launch the program. Ah, on va enfin jouer à ce jeu, c'est pas trop You tôt. were supposed to leave ages ago. Mais... Don't do that. Il va se fatiguer. Je suis en train de m'installer un keylogger. Alors, je vais probablement pas vous faire voir plus loin puisque c'est des énigmes à résoudre et ça serait complètement vous spoiler le jeu. J'ai aucune idée de la durée d'ailleurs de ce titre. J'imagine qu'elle n'est pas ultra longue parce qu'il y a un moment où on doit en avoir peut-être un peu plein le dos. Vous l'aurez compris, There is no game, c'est un jeu parodique qui vous amusera un petit moment. Après, sur la rejouabilité, je crois que c'est un petit peu mort parce qu'une fois qu'on a compris les énigmes, fort peu de chances qu'elles se renouvellent. Mais ça, à petit prix, dans une période d'ennui, genre je sais pas quoi, un confinement, ça peut peut-être vous remettre un peu le sourire et puis vous faire passer le temps. Sur ce, je m'enfuis résoudre les problèmes de dimension, de temps qui hantent notre pauvre univers, non sans avoir préalablement posé cette jolie playlist, celle-là aussi, et ce merveilleux bouton d'abonnement. Ciao. Ne cliquez pas la case de fermeture, ça va faire planter votre machine.